Adonai, gloire, gloire à ton nom, Seigneur, Père. Shiloh, nous voulons te dire merci pour ta fidélité, Seigneur. Adonai, béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Nous voulons te dire merci, Seigneur, car tu nous, tu nous aimes, Seigneur, tu nous as façonné, tu nous as créé à ton image, Seigneur, tu nous donnes la force, la santé, Seigneur. Nous voulons te dire encore hein, merci, merci pour tout. Merci pour, pour ta fidélité, Seigneur. Adonai notre Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, mon Dieu. Oh Alléluia, Merci, Seigneur. Bénis soit ton nom, Seigneur. Bon, gloire à ton, ton nom, Seigneur. Toute la gloire te revienne, mon Dieu. Ah, tu es vraiment merveilleux. Adonai 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 Tu es vraiment maître Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci à nos bien-aimés qui sont présents ce soir. Merci également à Loïc pour son soutien au de Yeshua. Donc si tu veux, tu peux être avec nous. C'est comme tu le... Voilà. Donc on va te mettre une chaise là, comme ça on va pouvoir... Voilà, la chaise est là, hein, pas de souci. Que le Seigneur soit béni. Voilà mes amis, nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Merci pour votre présence. Vous êtes très nombreux à vous connecter sur... TV et Radio de Vie à nous envoyer des mails d'encouragement. Et euh, nous nous réjouissons, mes amis, de tout ce que et, euh, Dieu fait. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, que toute la gloire te revienne. Nous voulons te dire merci pour euh, tout, pour tous tes bienfaits, Seigneur, pour euh, les épreuves auxquelles tu nous soumets. Merci encore pour la force que tu nous donnes, Seigneur, et ton esprit qui renouvelle à nous, Seigneur, tes œuvres, ta présence, Seigneur, nos choix. Amen. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous hein, donc, euh, sur ce plateau de TV de vie. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. 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 Alléluia. Malaika, c'est la première fois que ce sois avec nous oui. sur le plateau de TV et radio de vie. Il y a beaucoup de gens du côté de Montréal, du Canada qui sont connectés. Hein, donc, nous vous saluons ce soir. Bonjour à tout le monde. Alléluia. Alors, quoi de neuf ça va, ça va, on est, on, on est content d'être là, on est euh, très heureux, très encouragés, on baigne dans la joie depuis euh, depuis euh, l'événement du 19 et puis euh, la suite, on est tous vraiment euh, motivés, encouragés, on veut avancer de nouveau avec euh, okay. une force nouvelle. On me fait signe par propre micro, donc c'est ok, d'accord. <laughs> ok, <laughs> si tu veux, on peut te donner le micro sans oui, fil si, oui, si tu veux. Le... Ok, voilà. je vais, vais peut-être C'est nickel, voilà, parfait. Alors là, vous m'entendez mieux oui, c'est voilà, bon. Okay. Donc je disais, euh, on est heureux d'être là. Vraiment, c'est euh, une joie d'être euh, réunis avec euh, les frères dans mmh. la présence du Seigneur, de pouvoir partager, de pouvoir euh, s'exhorter, de pouvoir euh, plonger dans la parole ensemble. Et, c'est euh, depuis, depuis le 19 décembre où nous on avait suivi, pour mmh. les frères qui n'avaient pas pu faire le déplacement, on avait suivi euh, la rediffusion, euh, la diffusion en direct. Euh, on, on baigne dans la joie et on, on prie le Seigneur qu'il puisse continuer à nous révéler sa parole. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait, les enseignements qu'on reçoit. Donc euh, on est très bénis. Un petit coucou euh, spécial Canada. Mmh. Salut les amis. Ils sont là, ils sont juste à la caméra là. <laughs> juste, tu peux pas leur parler un peu en Canadien là, okay, tout <laughs> Bonjour euh, <laughs> <WhatsApp. rire> euh, <mangera> à tous <laughs> Que Dieu vous bénisse. Alors on est, on est là on, et je sais qu'ils sont présents aussi euh, en esprit, ils suivent et euh, tout le monde est très motivé, tout le monde est très encouragé, non seulement à Montréal, mais il y a aussi les frères et sœurs d'Ottawa, les frères et sœurs de Toronto, les bien-aimés aussi aux États-Unis. Soyez tous très très bénis et encouragés, en avance au nom de Jésus. Amen. Euh, ben, si ça t'intéresse, hein, c'est avant que tu nous rentres parce que tu rentres bientôt et euh, si tu veux faire une émission pour encourager aussi les femmes, les sœurs, il n'y a pas de souci, hein, c'est comme tu le sens. Je pense qu'avec Mireille, et pourquoi pas, euh, ouais, on peut prévoir ça, ça. Je pense que ça va encourager beaucoup de jeunes sœurs, beaucoup de... qui sont là et qui, qui ont soif. Et ton témoignage, je pense aussi, ça pourra beaucoup, beaucoup toucher. Parce que, hein, donc, euh, on, on va on essayer de voir ça. Je pense qu'on peut prévoir ça, je ne sais pas, demain soir. Tu as peut-être quelque chose de prévu ah, C'est ah, serré. 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 C'est un peu serré pour moi. Il y a un membre de la famille qui est malade, ah, okay, okay. partager, On va, on on va s'organiser. Les n'est pas fixé voilà donc on va essayer de s'organiser hein, donc à la fin de l'émission parce que son témoignage quand même comme tu le sais hein, mireille est assez fort mais euh, vraiment que le sens soit béni voilà donc ce soir comme prévu frères et sœurs nous allons euh, parler euh, pendant quelques minutes hein, de, euh, de l'avènement de yeshua et euh, il est minuit moins un dans euh, voilà donc euh, il est pardon, minuit 20, 23h57, hein, minuit moins 3, voilà, excusez moi Il est minuit, minuit moins 3 dans l'horloge de Dieu. Et c'est la vision que le Seigneur euh, m'avait donnée à quelques mois de cela. Et comme je voulais euh, partager, hein, donc euh, c'était dans, euh, dans, un, dans un songe, pendant que je dormais. J'ai eu une vision, je voyais des horloges, plusieurs horloges tomber du ciel. Et il y en a une en particulier qui m'avait beaucoup euh, touché et euh, je me suis retrouvé devant elle, elle était énorme. Et dessus, il y avait, n'est-ce pas, euh, il était minuit moins 3. Voilà, donc 23h57. Et euh, ensuite, j'ai vu bien sûr des anges euh, tomber, euh, descendre du ciel. Et, euh, et c'était le retour du Mashiach, le retour de Yeshua. Et euh, donc j'ai eu à partager avec les frères et sœurs sur ce TVDV cette vision qui m'avait beaucoup, beaucoup touché. Et il y a quelques, il y a quelques jours, peut-être quoi, 4 ou 5 jours. Je suis tombé sur euh, un article sur euh, euh, un site euh, d'information euh, qui euh, parlait de l'horloge nucléaire. n'est-ce pas Pour la première fois de ma vie, j'ai euh, entendu parler de cette horloge et, euh, que j'ignorais et euh, dont j'ignorais l'existence. Et euh, cet article justement disait que les scientifiques -ce pas, euh, disent qu'il euh, qu'il est minuit moins 3 dans l'horloge nucléaire. Donc euh, avant qu'il y ait une, une catastrophe majeure nucléaire, donc, euh, il reste juste trois minutes. Et si les gouvernants de ce monde ne font rien, et bien le, la Terre va exploser littéralement. Et euh, pourquoi Parce que bon, bah, y a, vous savez qu'il y a plusieurs nations qui sont, euh, euh, plusieurs pays qui sont des puissances nucléaires, notamment euh, la Russie en premier hein, parmi euh, les pays, donc, euh, et qui, a, qui compte à peu près 16 000, euh, 16 000 pas, bombes nucléaires. Et les États-Unis à peu près 9900 et quelques. Et euh, ensuite, il euh, y a la France avec 300 euh, bombes. Il y a euh, l'Angleterre avec 200. La Chine avec 200 également. Vous avez euh, l'Inde et le Pakistan. L'Inde a, a entre 40 et, 60, 40 et 50 euh, euh, ogives. Et il euh, y a le Pakistan entre 50 et 60. Et vous avez également Israël. Voilà, qui ne veut pas bien sûr le, le dire ouvertement, mais Israël également possède la, la bombe nucléaire. Et vous avez également des pays comme l'Iran qui euh, se battent pour avoir aussi la bombe nucléaire. Et j'ai eu une vision il y a quelques mois où on me disait, dans lequel on me disait que l'Iran allait avoir, avait déjà, pardon, la bombe nucléaire. Et il y a également la Corée du Nord. Donc vous voyez que s'il y a une guerre mondiale, mes amis, présentement, actuellement, la Terre, selon une émission que j'ai suivie sur une radio, et, euh, et euh, la Terre peut être pulvérisée près de 33 fois. Hein, donc euh, la puissance nucléaire que possède l'homme hein, aujourd'hui est, est capable d'exploser de, la Terre plus de 33 fois. Donc, vous vous rendez compte, frères et sœurs, Dieu ne peut qu'intervenir. Donc euh, voilà, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Je ne sais pas si les frères peuvent nous trouver. Cet article, hein, donc, euh, pour montrer aux frères et sœurs qui sont chez eux que les temps sont vraiment difficiles, et il est effectivement 23 heures dans l'horloge de Dieu, comme le Seigneur me l'avait dit, et comme il a aussi euh, révélé à beaucoup d'autres personnes qui euh, nous ont appelés pour nous dire, effectivement, le Seigneur nous a montré qu'il est resté très peu de temps avant son retour. Et nous croyons que notre génération est celle qui verra, n'est-ce pas, visiblement Yeshua. Voilà, donc euh, tous les ingrédients sont réunis. L'antéchrist, pour votre information, est déjà sur Terre. Les églises sont, nos églises sont en majorité par paganisées, hein, à, plus, à près de 95% si ce n'est plus. Il est paganisé, le diable est assis dans nos, 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 nos bâtiments d'église, dans même, même dans églises, certaines églises de, de, qui sont dans les maisons. Et euh, donc il a pris place avec son, bien sûr ses dogmes, ses, et, euh, ses doctrines. Donc euh, on voit vraiment l'émergence actuellement de l'église. Euh, comment dire, apostate de l'église papale, de l'église babylonienne. Et, euh, et on la voit de plus en plus prendre de l'ampleur. Il y a la rébellion qui se caractérise, euh, qui se généralise bien sûr. Et nous voyons vraiment que les ténèbres sont là, d'accord Il est vraiment minuit, moins trois, dans l'horloge de Dieu. Et, euh, et euh, alors on ne va pas bien sûr entrer dans des calculs complètement charnels hein, pour savoir exactement le, le, le nombre d'années qui nous reste avant le retour de Yeshua. Et surtout, il ne faut pas tomber dans ce, ce piège. Et euh, mais nous savons seulement que, mes amis, notre génération est celle qui verra le, 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 le machin. Hein. Nous, euh, nous allons dans Genèse chapitre 19. Voilà, donc nous allons développer rapidement euh, euh, l'exhortation de ce soir à partir de ce passage, Genèse chapitre 19, et nous lisons à partir du verset 1 c'est une histoire que beaucoup connaissent, donc euh, Genèse 19 à partir du verset 1 Or, sur le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Et il leur dit, Voici, je vous prie, mes seigneurs, entrez maintenant dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, puis vous vous leverez dès le matin et continuerez votre chemin. Et ils dirent, non, mais nous passerons la nuit dans la rue. Mais il le pressa tellement qu'ils qu se retirèrent chez lui. Et quand ils, eurent quand ils furent entrés dans sa maison, il leur fit un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville. Les hommes de Sodome environnèrent la maison. Depuis le plus jeune jusqu'au vieillard, tout le peuple était ensemble. Ils appelèrent Lot et lui dirent, Où sont les hommes qui sont venus cette nuit chez toi Fais-les sortir afin que nous les connaissions. Mais Lot sortit de sa maison pour leur parler à la porte et ayant fermé la porte après lui, il leur dit, Je vous prie, mes frères, ne leur faites point de mal. Voilà Lot qui vivait au milieu de Sodome, dans Sodome et Gomorre, et qui avait confondu que ces hommes n'étaient pas des frères. Vous voyez, il les a pris pour frères. Tous, tous ne sont pas frères. Tous ne sont pas sœurs. Il y a beaucoup de loups qui sont déguisés et qui ont pris place, comme vous le savez, dans la majorité de nos assemblées. Et que beaucoup de chrétiens, malheureusement, par manque de discernement, nous sommes tous tombés dans ce piège, hein, bien sûr, et euh, les appellent frères et sœurs. Et L'autre croyait que ces hommes étaient ses frères. Mais pourtant, ils ont voulu abuser sexuellement de ces deux messagers que Dieu avait envoyés. C'est-à-dire, ils ont voulu pratiquer, n'est-ce pas, euh, 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 voilà, vous, vous comprenez. Voilà. Donc, ils ont voulu carrément les, voilà, les violer. Donc, euh, et euh, pratiquer, bien sûr, l'homosexualité. Et, euh, et l'autre dit, mes frères, il ne faut pas agir ainsi. Et, euh, et il leur propose, voilà, il dit, voilà, j'ai deux filles qui n'ont pas et, euh, encore connu d'homme. Je vous les amènerai et vous les traiterez comme il vous plaira. Seulement, ne faites pas de mal à ces hommes, car ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il lui dit, retire-toi de là. Il dit aussi, cet homme seul est venu pour habiter ici comme étranger. Et il veut nous gouverner. Maintenant, nous te ferons pique à eux. Et n'est-ce hein, pas, vous voyez, frères et sœurs, l'autre avait oublié qu'il était étranger dans Sodome et Gomorrah. Vous voyez Et le monde actuellement est complètement sodomisé. C'est un monde qui est devenu Sodome et Gomorre. La terre est devenue complètement Sodome et Gomorre. Toute la terre. Il n'y a pas un seul coin, un seul recoin de la terre qui ne soit épargné mes amis, par rapport bien sûr à, au mal, par rapport à, à toutes sortes de fléaux. Et euh, donc, et dans ce Sodome et Gomorre, dans cette ville de Sodome et Gomorre, le monde, il y a des hommes et des femmes comme Lot, n'est-ce pas, qui sont là, qui y vivent, et, euh, et qui appellent ceux et celles qui les fréquentent frères et sœurs. Mais pourtant, ils ne le sont pas. Vous voyez Et Lot leur propose, bien sûr, et il va se compromettre, il va leur proposer, n'est-ce pas, d'aller avec ses filles, qui étaient encore vierges. Et parce qu'il voulait vraiment, il voulait protéger ces messagers. Les deux anges, fils Malak, hein, donc euh, en hébreu, qui aussi veut dire euh, euh, messager. Donc c'était des messagers. Vous voyez, et ces messagers étaient envoyés à Sodome et Sodome et Gomorre vers le soir. C'est très significatif. D'accord Pourquoi le soir Et euh, vous allez comprendre pourquoi. Et euh, nous sommes dans Zacharie, on va revenir sur Genèse bien sûr. Nous sommes dans Zacharie, chapitre euh, 14. Donc Zacharie, le, la page 620. 620. Zacharie chapitre 14. Et euh, à partir du verset 1er, euh, voici le jour de Yahweh arrive et tes dépouilles seront partagés au milieu de toi. Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. La ville sera prise, les nations pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Yahweh sortira et il combattra contre ces nations comme il a combattu au jour de la bataille. Ses pieds se poseront à ce jour-là sur la montagne des oliviers qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Et la montagne des oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, de sorte qu'il y aura une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Et vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Osias, roi de Juda. Alors Yahweh, mon Dieu, viendra et tous les saints seront avec lui. Donc Yahweh viendra, donc c'est Yeshua bien sûr. Et tous les saints, bien sûr, il est question des de, de, de saints, mes amis euh, de l'église, hein, euh, qui viendront bien sûr avec lui. Et, euh, on nous dit, et il arrivera quand ce jour-là, la lumière précieuse ne sera pas mêlée de ténèbres. Ce jour, ce sera un jour unique, connu de Yahweh, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Vous voyez, on nous parle ici du temps du soir, justement. Vous voyez, donc Yeshua viendra au temps du soir. On va comprendre, on va expliquer un peu. Donc vous voyez, dans Genèse 19, là-bas, on nous dit que vers le soir, deux messagers arrivent avec un message précis. Et quel était ce message Ce message n'était pas destiné à tout le monde. Non. Le retour à la parole ne concerne pas tout le monde. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte cet homme L'évangile a été donné à tout le monde, bien sûr. Mais Dieu, mes amis, a libéré ce message pour préparer l'Église à son retour. Vous voyez et, euh, et, euh, et, euh, et les anges arrivent avec un message précis qui concernait, n'est-ce pas, et euh, 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 comment dire, lot. Pourquoi Parce que Dieu savait que les gens de Sodome et Gomorre n'allaient pas écouter son message. Et c'est pour ça que dans Matthieu 24, 14, il est dit que cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. L'évangile que nous prêchons aujourd'hui, frères et sœurs, et euh, que vous prêchez également, il y a beaucoup de païens, beaucoup de, 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 beaucoup de personnes qui n'en veulent pas, beaucoup de chrétiens n'en veulent pas. Il y a des païens qui cherchent Dieu bien sûr et Dieu va les sauver, il n'y a pas de problème. Mmh. Tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Amen. Et euh, maintenant, mais beaucoup de chrétiens, mes amis, sont tellement endurcis que le, le message que Dieu libère en ce moment, aussi bien par vous qui nous connaissez, qui nous suivez, que par d'autres que nous ne connaissons pas et qui aiment le Seigneur. Et ce message qui est général, qui appelle les gens à se préparer pour le retour du Mashiach, hein, mes amis, ne sera pas écouté, accepté par la majorité de chrétiens. Parce qu'ils sont déjà touchés par Sodome et Gomorre. Ils sont déjà touchés par l'esprit de Sodome et Gomorre. C'est pour cela que quand les anges arrivent, ils arrivent chez Lot. Pour le préparer. Pour amener Lot à préparer sa famille pour le départ. voyez Et Lot a reçu avec un cœur ouvert, à bras ouverts, ses messagers. Il les a reçus. Il les a protégés. Il les a défendus. Il a accepté leur message. Les anges arrivent vers le soir, comme la parole le dit dans Zacharie 14, que vers le soir la lumière apparaîtra. D'accord? Au temps du soir. Et on est au temps du soir. On est presque à minuit. On va voir. Donc, et quand on parle du soir ici, le verbe utilisé dans ce passage et, hein, signifie, aussi, enfin, le mot utilisé, on le retrouve partout, notamment dans Genèse 1. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut jour 1. D'accord Donc pour qu'il y ait le jour nouveau, le jour de l'éternité, le jour de Yeshua, il faut que le soir soit là. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. C'est-à-dire avant le matin, il faut que le, 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 le soir précède le, la, la, le matin. Le soir, dans, 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 dans l'horloge dans de Dieu, dans l'horloge divine, le soir, le soir précède le jour. Donc les ténèbres viennent avant. Il y avait les ténèbres avant que la lumière ne vienne. Oui, donc il faut que les ténèbres soient généralisées. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Le monde est devenu Sodome et Gomorre. Dans Sodome et Gomorre, il n'y avait pas de loi. C'était, tout le monde faisait n'importe quoi. Tout le monde faisait, c'était, mes amis, c'était l'anarchie. Il n'y avait pas de limite dans le péché. Et on, on y est, mes amis, nous avons de loin dépassé Sodome et Gomorre au point où même des scientifiques nous disent qu'il nous reste trois minutes. Et pensez-vous que Dieu qui a créé le ciel va rester les bras croisés et laisser sa, la Terre s'exploser. Ah non, parce qu'il est dit clairement qu'il va régner pendant mille ans sur, la, sur Terre. Donc il ne va pas laisser ses bombes atomiques exploser la Terre. Donc il ne peut qu'intervenir, mes amis. Vous voyez Alors, il va intervenir rapidement, plus tôt qu'on ne le pense. Et les anges arrivent vers le soir. C'est-à-dire, oh, 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 le soir, la nuit, c'est vraiment, mes amis, le paroxysme du péché. Il faut que le péché atteigne son paroxysme avant que Dieu n'intervienne. Dans Genèse 15, avant que Dieu ne chasse les Amoréens de la terre de Canaan, il aurait fallu que leur péché soit à leur comble. Hein? Donc, euh, euh, carrément, Dieu dit que le péché des Amoréens n'était pas encore à, leur, à, à son comble. Voilà pourquoi il ne pouvait pas intervenir. Donc, il faut vraiment que le, le péché déborde pour que Dieu intervienne. Là où le péché abonde, il faut que le péché abonde, pour que la grâce surabonde. Or, ce passage, on l'a aussi compris, on l'a aussi mal compris. Là où le péché abonde, prophétiquement, ça veut dire quoi et la grâce a surabondé. Or, Yeshua, c'est la grâce. Il faut que le péché abonde dans le, sur terre pour que la grâce Yeshua revienne. C'est ça qu'il faut comprendre. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. C'est-à-dire, la terre sera tellement plongée dans le péché que la grâce viendra. D'accord Le Dieu de grâce interviendra. Vous voyez, frères et sœurs, donc il faut que le péché soit là. Or, le péché, c'est les ténèbres. Donc, il faut, c'est une, mes amis, obligation. Le péché doit se généraliser sur la terre. Et c'est le cas aujourd'hui. Les hommes sont devenus plus, plus bêtes que, 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 que la bêtise. Les hommes sont devenus plus, plus sauvages que la sauvagerie. Ils sont devenus, mes amis, plus, c'est terrible, plus méchants que la méchanceté. Et nous sommes dans cette, cette époque-là. Vous voyez si vous lisez dans, dans Apocalypse 11, on nous dit que Israël actuel, Jérusalem actuel, est comparé à l'Égypte et à, et au, à Sodome. N'est-ce pas Donc, voyez bien que Dieu voit le monde aujourd'hui comme Sodome et Gomorre. Et il est presque minuit dans l'horloge de Dieu. C'est-à-dire, le péché s'est généralisé. Le mal n'est plus un problème. Voyez, frères et sœurs, n'est plus un problème. Et... Euh, et vous voyez la rapidité avec laquelle le péché, mes amis, se répand avec l'Internet, avec, avec la, télé, la, la téléphonie. Vous voyez, c'est impressionnant. Notre génération, mes amis, ne connaît plus de limites. Vous avez vu, mes amis, le nombre de, de, de guerres qu'il y a sur Terre. La Terre est sur une poudrière. En Afrique, des guerres ethniques, des guerres tribales dont on ne parle pas, dont les médias ne parlent pas. Comme en RDC, mes amis, près de 10 millions de, dans, 10 millions de morts, rien que dans l'est de la RDC. C'est impressionnant. Vous avez vu au Rwanda le carnage qu'il y a eu, mes amis Entre Tutsi et Hutu vous, vous voyez, mes amis, ce qui se passe et, euh, entre des peuples, les tensions qu'il y a entre les communautés, mes amis Blanc, noir, métis, ah, 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 noir, blanc, euh, arabe, arabe, noir. Vous avez vu, mes amis, chinois, indiens, nous sommes sur une poudrière à l'heure actuelle. C'est impressionnant. Impressionnant. voyez Donc, vous avez vu, il y a une, une croissance exponentielle du, de, 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 du racisme dans, dans le monde. Hein. Donc Il y a une croissance exponentielle des guerres, des troubles. Une croissance exponentielle, mes amis, des, des problèmes climatiques. Hein, donc c'est impressionnant. Et euh, on voit même des scientifiques, certains scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme pour que des, des gouvernants prennent euh, euh, position, euh, votent des lois dans le but de, 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 de mettre un frein, n'est-ce pas, à cette destruction, mes amis, euh, euh, massive de la, de la planète. Mais c'est fini. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir parce que personne n'a le pouvoir pour mettre, frein, mettre un frein à cette folie. Voilà, donc euh, on va rapidement vous montrer l'article euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'équipe euh, est prête. Voilà, donc euh, on va rapidement cacher euh, le... Voilà, si on peut cacher le... Voilà, parfait. Donc euh, on parle de l'horloge, n'est-ce pas Voilà, l'horloge de l'Apocalypse avancée à minuit moins 3. <laughs> Mes amis, c'est quand même impressionnant. Hein hein donc, euh, et euh, voilà. L'horloge de l'Apocalypse avançait à minuit moins 3. Donc comme quoi, hein, Dieu parle vraiment, mes amis. Voilà, c'est quand même impressionnant. Vous voyez l'horloge qu'ils ont mis là, minu moins 3. Mm -hmm. Voilà. Et ça, cet article date, de, euh, euh, il date du, euh, de jeudi, hein, de, du, du 20, 23. 22 janvier, donc jeudi 22 janvier, donc euh, 2015. Vous voyez? Donc euh, c'est un article qui date de la semaine dernière, je, du jeudi, euh, de jeudi 22, 22 janvier. Voilà. Donc les, 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 les scientifiques des païens sont, mes amis, euh, et c'est Dieu qui est derrière hein, parce que c'est impressionnant. Et euh, Il se sert même des païens pour montrer aux chrétiens qu'on n'a plus de temps. N'est-ce pas Qu'il faut racheter le temps car les, les, les jours sont mauvais. Et euh, donc, vers le soir, les anges arrivent avec un message qui concernait l'hôte. Parce que les, les hommes de Sodome ne voulaient plus écouter la vérité. Ça, c'est clair. Donc Dieu, quand c'est comme ça, eh bien, il va sauver seulement ceux et celles qui sont euh, disposés à recevoir la vérité, à l'entendre, à l'écouter, à obéir à la parole. Donc les anges arrivent et ils disent à l'autre, justement, et euh, de, 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 ils, vont, ils vont frapper d'abord d'aveuglement les hommes de Sodome et Gomorre. Déjà comment spirituellement, ils étaient aveugles et physiquement, ils vont être frappés d'aveuglement, mes amis. Et ensuite, Lot va recevoir un message clair. Alors ces hommes, verset 12, dirent à Lot, qui as-tu encore ici qui t'appartiennent Gendre, fils et filles et tous ceux qui t'appartiennent de la ville. Fais-les sortir de ce lieu. Mon peuple, sortez du milieu d'eux, du milieu d'elle nous dit la parole. C'est un ordre. Voilà le message. Il faut sortir. C'est la repentance. C'est la sanctification, la conversion. Il faut sortir. Il faut sortir, sortir du péché. Sortir même des, même des bâtiments d'église, même des maisons d'église. où, Parce que même si vous priez dans une maison, si, ne pensez pas que c'est une maison qui peut vous protéger. Ce n'est pas ça, mes amis. Ce sont des briques aussi. Vous hein. voyez Seul le nom de Yeshua, Amashia, nous protège. Et le message était clair. L'hôte sort de Sodome et Gomorre. Et on apprend que l'hôte siégeait à la porte. A l'époque, mes amis, les, 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 les hommes siégeaient. Hein, C'était à l'entrée des villes qu'il y avait des tribunaux. Et euh, les hommes d'autorité siégeaient là, à l'entrée des villes. Et l'hôte avait occupé quand même une poste assez importante hein, donc dans la ville de Sodome et Gomorre. Et il avait vraiment des biens. Hein, beaucoup de biens. Et Dieu lui dit, sort Voilà le message du soir. Le message du soir ne concerne pas la dîme. Le message du soir ne concerne pas les pères spirituels. C'est pas ça, c'est pas ça le message, frère. Ça n'existe pas les pères spirituels. Les pères dans la foi, oui, mais encore ils sont pas vos, vos couvertures spirituelles. Le message du soir dans lequel nous sommes, mes amis là, ne concerne pas, mes amis, l'argent, les costumes et cravates. Voyez, ils pensent qu'en mettant des costumes et cravates, c'est alors qu'ils vont être des vrais bishops. Ils n'ont rien compris, mes amis là. Ils n'ont rien compris costa et cravate, ils vont se mettre des cordes autour du cou parce pour prouver aux gens qu'ils sont quelqu'un. Tout ça. Là. Oh que Dieu sauve les gens. Voilà. Quand on devient bishop, on s'aligne derrière les grands bishops, les pêcheurs, les impudiques, les voleurs et on se met des costumes et cravates, on fait toutes les voilà. On, va... on fait toute la France pour aller crier qu'on est homme de Dieu. C'est la confusion, hein les gens sont frappés d'aveuglement. Complètement. Vous voyez Et c'est le cas parce que dans Sodome et Gomorrah il y a l'aveuglement, les gens sont frappés. C'est l'esprit des garéments qui vient, qui frappe. Les gens, ils retournent à leur vomi. voyez Voilà Sodome et Gomorre. Et ce sont des opportunistes. Dès qu'il y a un message qui prend de l'ampleur, ils vont s'attacher, mais ils ne sont pas convaincus. Ils retournent leur veste aussi vite, mes amis, qu'ils ont accepté le message. Ce sont les sodomites, les hommes et les femmes de Sodome. Ils sont comme ça. Vous voyez Ils ne sont pas fermes. Des opportunistes. En fonction du vent, ils vont couler. Vous voyez, mes amis, l'heure est grave. Et là, le message du soir concerne la sortie. Sortez. Voilà le message, frère. C'est ça le message. Sortez, c'est tout. Pour nous faire taire, on dit non, mais eux aussi, c'est une dénomination. Mais laissez-moi vous dire, il y a deux types de dénominations. Premièrement, tout est dénomination. Dès l'instant où vous portez un nom, vous êtes aussi vous-même en tant qu'un homme seul. Une dénomination parce que vous avez, une, vous avez un nom. Hmm? Si vous voulez qu'on parle français, on va parler en français aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais, mais il, y a deuxième type, il y a un deuxième type de dénomination. Ça, c'est la religiosité. Ça c'est le système papal. Hein, Ce n'est pas pareil. Mais tout est de dénomination. Oh, ils sont dans un système. Mais tout est système. Il y a le système apostolique, biblique. Il y a le système royal. Nous sommes dans un royaume. Voilà. Vous confondez les choses, on dit tout est système, non, je sors du système. Ils n'ont rien compris. Il faut préciser quel est système, parce que tout est système. Mmh. Mmh c'est ça le problème, mes amis. Il faut que les gens comprennent que ce ne sont pas les mots qui font peur. Il faut qu'on vive les choses. Il faut, faut expérimenter les choses. Le message du soir, c'est quoi Sortez. Sortez. Voilà. Voilà le message que l'autre avait reçu. Sortez. Quand on sort, c'est pour aller d'un lieu, d'un endroit à un autre. On sort du péché pour aller vers Dieu, pas vers les hommes. Ne sortez pas de vos églises pour venir chez moi. Non, parce que moi-même je sors. Et nous sortons tous pour aller au ciel. Voilà le message. Sortons pour aller vers le ciel. Sortons. Hébreux 12, 13 nous dit Sortons pour aller à lui. Hein, hors du temple, en portant sur nous le propre, le rejet. Oui, parce qu'on a pris la décision de sortir, on sera persécuté, c'est normal. Il faut sortir. Et car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant Yahweh. Yahweh nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit donc et parla à ses gendres qui devaient prendre ses filles. Il leur dit, levez-vous, sortez de ce lieu, car Yahweh va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges pressèrent l'autre en disant, Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. Et comme il tardait, comme il tardait, ces hommes le prirent par la main et le prirent aussi par la main, par la main sa femme et prirent aussi par la main sa femme et ses deux filles parce que Yahweh voulait l'épargner. Et ils l'amenèrent et le mirent hors de la ville. Vous savez pourquoi Pourquoi l'autre et, euh, et ses filles étaient sauvées parce que Abraham intercédait. Amen. Vous savez pourquoi nous allons être enlevés Parce que Yeshua intercède. Amen. Alléluia. Amen. Ouh, alléluia. Gloire à Dieu. Oh. On peut acclamer le Seigneur, mes amis. C'est magnifique. Oh Jesus. C'est magnifique, hein il intercède auprès du Père, Jésus-Christ est homme. C'est-à-dire, même si tu ne veux pas sortir, parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Avant ta création, tu sortiras. Alléluia. Jesus. Alléluia. L'autre ne voulait pas sortir. Sa femme non plus. Ses filles non plus. Mais parce qu'Abraham intercédait. Frère, tous les jours, Jésus cite mon nom devant le Père. Jésus-Christ homme. Tous les jours, il cite ton nom. Il cite le nom de Malika, de d'Aurélie, de Mireille. Tout. Donc ça veut dire que le diable a perdu sa bataille avant même qu'il ne soit diable. Hein? Quelqu'un qui a perdu son combat avant même que le combat n'existe. Donc il ne faut pas avoir peur de lui. Non. Ils nous feront la guerre. Ils nous feront la guerre. Mais ils ne peuvent pas nous vaincre. Voilà, j'aime la parole, frère. J'aime la parole. Nous sommes au temps du soir. Il faut connaître le temps. Quel temps, quel message. Mmh. Hmm? En fonction du discernement du temps, nous choisirons nos amis. Il faut traîner avec les hommes du soir. Mmh. Les femmes et les hommes qui connaissent le temps. voyez, frère? Alléluia. Gloire à Dieu. Il est minuit pratiquement, il est minuit moins trois dans l'horloge de Dieu. Et mes amis, les messagers sont déjà envoyés dans le monde entier. Ils sont partout les messagers. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que vous. Il y en a plein d'autres que nous ne connaissons pas. Qui sont des chauffards, qui sonnent le chauffard, qui crient partout mes amis. Dans les rues, dans les gares, dans les bus, dans les métros. Ils sont partout. Ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont arabes, ils sont métis, ils sont chocolats, ils sont chinois, ils sont indiens. Ils sont, je ne sais pas quoi ils sont, mais ils sont, ils sont passionnés de Yeshua. Ils ne parlent pas des églises, ils parlent du royaume de Dieu qui vient Ils parlent du, du roi des rois qui vient frère Ils ne parlent pas de l'argent, ils ne sont pas à costard et cravates, mes amis, non S'ils se mettent en costume et cravates, mes amis c'est de temps à autre Mais sinon c'est les hommes mes amis sont simples Ils ne sont pas dans une pastorale, ils ne perçoivent pas un salaire frère Mais ils sont là pour sauver les âmes mes amis Et comme Lot, ils sont dans Sodome et Gomorre, leur âme est tourmentée tous les jours Parce qu'ils voient les choses qui se passent et ils sont le chauffard. Mes amis, les anges sont partout, les messagers sont partout, envoyés partout. Ils ont un message, ils vont voir les enfants de Dieu et ils prêchent. Et tous les vrais enfants de Dieu, même ceux qui étaient endormis, quand ils entendent seulement leur message, ils sont saisis. Dieu leur donne des songes, des visions pour dire, cette parole vient de lui. Ils prêchent le message du temps, ils prêchent le message du soir. Parce qu'il y en a, ils vous amènent le message du matin. Le matin, c'est le matin. Le matin, c'est un autre message. Le soir, là, il faut le message. Vers le soir, nous dit la lumière paraîtra. Et les anges prennent l'hôte par la main et ils les sortent. Et l'hôte est sorti. On connaît l'histoire. Mes amis, sauve ta vie, les anges vont le dire. Ils ne regardent point derrière toi. Ils ne t'arrêtent pas. Ils ne t'arrêtent en aucun endroit de la plaine. Sauve-toi sur la montagne. Sur la montagne, de peur que tu ne périsses, on se sauve. On quitte Sodome et Gomorre pour aller sur la montagne. Hébreu 12 nous dit que nous sommes, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Vous voyez, frères et sœurs Oh, alléluia. La cité céleste. Donc, on, on sort de Sodome domaine pour aller au ciel, mes amis On ne sort pas d'une église pour aller dans une autre église. Non, nous ne sommes pas des chercheurs d'église. Non, nous sommes des chercheurs du ciel, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On peut te chasser d'une église locale, mais on ne peut pas te chasser du ciel. <laughs> Ouh, alléluia. Un homme peut te dire qu'il ne sera plus jamais ton pasteur, mais Jésus, mes amis, est ton pasteur à vie alléluia. pour l'éternité. Mm -hmm. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous mm -hmm. voyez frère, il faut se sauver sur la montagne. Et, mes amis, dans Ésaïe dans, dans, dans 2 et Miché 4, il est dit qu'il arrivera dans, la, dans, la, dans le dernier jour que la montagne de la maison de Yahweh sera fondée sur les sommets au sommet des montagnes. Donc nous quittons Sodome et Gomorre pour aller vers la montagne de Sion. Alléluia. Vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Il est presque minuit, frères et sœurs. Et c'est le temps du soir. Alléluia. 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 Et regardez mes amis, il est dit dans Esaïe 60, verset 1er. Lève-toi et sois illuminé. Car ta lumière arrive. Alléluia. Avant que la lumière devienne, les vrais enfants de Dieu seront illuminés. L'illumination vient du... Ça, ça, ça touche l'intérieur. Paul dit dans Ephésiens 1, 18, je prie que Dieu illumine les yeux de votre, votre cœur. Mm. voyez C'est une prise de conscience. C'est le réveil. Lève-toi et sois illuminé, car ta lumière arrive. Mm. Les nations sont plongées dans les ténèbres, mais sur toi, la gloire de Dieu se lève. Mm. voyez mes amis Et Sophonie nous dit que le jour de Yahweh sera ni jour ni nuit. Mm. Ce sera un jour de brouillard, un jour d'angoisse. Et Matthieu 25, la parabole de Matthieu 25 nous parle justement de dix vierges qui s'étaient réveillées à minuit parce que l'époux était arrivé. À minuit, on cria, voici l'époux. Donc le temps du soir, mes amis, est un temps difficile parce qu'il y a beaucoup de persécutions, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de mariages qui sont brisés, il y a beaucoup de couples qui sont blessés, il y a beaucoup de chrétiens qui, sont, qui se sentent solitaires. En fait, c'est Dieu lui-même qui nous impose la solitude voyez Et euh, afin que chaque chrétien développe sa relation avec le, avec le Seigneur, avec le Père, au nom de Yeshua, et c'est magnifique. C'est glorieux. Donc il nous sort de plus en plus de, de la chair, du péché, de, de, de tradition d'hommes, et il nous attire vers lui et vers lui seul. Et Lot a obéi à la voix des anges. Et vous savez pourquoi Lot était aussi sauvé Parce qu'en lui, il y avait du sang qui coulait dans les veines d'Abraham. L'autre était de la famille d'Abraham. Et c'est pour cela qu'Abraham a intercédé pour lui. C'est pour cela, Yeshua, mes amis, pour être... Vous ne pouvez pas sortir de son ordre de mort si vous n'avez pas le sang de Dieu en vous. Yeshua intercède pour ses frères, pour ceux qui ont le sang du Père. Mes amis, dans vos veines, vous qui êtes chrétiens, le sang de Dieu coule. Et le Père reçoit nos prières. Chaque seconde pendant que vous dormez, Yeshua homme prie, il prie depuis 2000 ans, imaginez mes amis, avant même ta naissance il priait déjà, avant que tu ne sois appelé à son service il priait déjà pour toi, <laughs> mes amis, il a, prié avant, il a prié pour ta naissance, pour ta conception, il a prié d'abord pour tes arrière 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 grands-pères, grands-parents grand-mère, il a prié pour ta conception, il a prié pour ta naissance, il a prié pour ta... ton service, il a prié pour tout, pour ton... Mais pour tout Alors, arrêtez de chercher à ce que les hommes vous imposent les mains. Arrêtez, arrêtez de chercher les démons à gauche, à droite, nos frères. Vous, chrétiens, c'est le message du temps. Préparons-nous pour le marché, pour le retour, pour les noces. Voilà le message, frère. Cette année, il n'y a pas d'autre message. Je vous dis, c'est l'avènement du Seigneur, c'est le retour de Yeshua. Cette année, Dieu m'a dit clairement, cette année-là, il ne faut parler à que ça. Amen. Parce qu'il n'est plus loin. Alors, il ne faut pas tout avoir une voix. Frère, j'ai un petit démon qui m'embête. Toi-même, tu peux le chasser. Amen. Hum? Frère, prie pour moi pour avoir un visa. Mais ça, ce n'est pas mon message. Frère, prie pour moi pour avoir le mariage. Non, ça c'est pas... Pour avoir un mariage, tu pries Dieu, tu t'habilles proprement, tu t'attends au Seigneur, et tu te parfumes, et tu... tu... Dieu va t'aider. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Ça, ce n'est pas le message. Hum? Les païens se marient, ils ne prient pas. Non. Alors, euh, allez expliquer ça. Hum? <laughs> Il ne faut pas se moquer du Seigneur. Ce n'est pas ça l'évangile. Hum? Attends, quand même, Malaïka. Attends. Hum? Frère, pris pour moi parce qu'un démon m'a bloqué, je n'arrive pas à concevoir. Ça, c'est arrêter avec ces, ces choses-là. Il faut arrêter les païens sauve alors qu'ils ont le péché. Quel est le, le démon qui peut bloquer les enfants de Dieu, mes amis hmm? On a complètement changé le message. c'est pas ça l'évangile. Préparons-nous pour le retour du machia C'est ça le message. Sortons. Hein? Laissons derrière nous. Nous sommes étrangers et voyageurs. Laissons derrière nous, mes amis, les choses de ce monde. Et sortons pour aller vers le Seigneur. C'est ça l'évangile. C'est ça le message. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh non mais moi j'ai pas du... du mal à quitter mon assemblée. C'est ton problème. Si c'est Sodome et Gomorrah, pointe tes jambes à ton cou, sors. Mmh. C'est clair. Oh non, mais je l'aime beaucoup. Tu... Vous pensez que je... l'autre n'aimait pas Sodome et Gomorre mmh. Quand sa femme s'est arrêtée sur la, la, la route là, en chemin, l'autre ne s'est pas arrêté. Mmh. Oh c'est ma chérie. On se connaît depuis l'enfance. Femme ou pas, le salut est d'abord individuel. Mmh. <laughs> Sauf qui peut. Mmh. Ah oui Frère. Ah oui. Hein. Ta femme s'est transformée en, en bloc de sel l'autre l'autre ne s'est pas dit oh, j'ai besoin du sel non trop tard fini chacun pour soi mes amis c'est sauvé sur la montagne là là c'était pas une question de mon amour mon, ma chérie ou je sais pas quoi mes amis la femme veut rester derrière veut rester derrière frère moi je sauve, je sauve mon âme ah oui ah oui mes amis voilà le message il faut sortir yeshua nous attend dehors d'accord sortons pour aller vers dieu non pour aller vers les hommes pour aller vers Dieu. C'est ça l'évangile. Voilà ce que nous allons vous partager tout au long de cette année, 2015, parce que nous croyons que Yeshua, mes amis, est en train de revenir, et nous ne savons pas exactement quand, mais les signes sont là. Et il dit à l'église de Sardes, Veille, si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur. Et il dit, mes amis, que celui qui est établi sur les gens, euh, quel est donc le serviteur prudent et fidèle que ce maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable Et voilà le temps convenable, mes amis. Le temps convenable. Je vous en supplie, mes amis. Le Seigneur n'est plus vraiment loin. Il faut nous sanctifier, nous préparer, nous repentir. Il faut la repentance. Parce sortir, c'est la repentance. Hein. Sortir, c'est la conversion. Sortir c'est le péché qui doit être dénoncé. C'est parler de l'amour du Père qui nous aime parce qu'il veut nous sauver. Et si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu et que vous vous avez des doutes sur son existence, je vous invite également à faire des recherches, à prier sincèrement, à chercher Dieu, à, à chercher le Seigneur de tout votre cœur. Regardez ce qui se passe dans le monde. Continuerez-vous encore à croire en l'homme Le Seigneur est en train de revenir. Jésus-Christ nous a promis qu'il allait revenir dans Jean 14. Il a dit qu'il est allé, il est parti pour nous préparer des places. Et il va revenir pour nous chercher. Et nous croyons que nous sommes justement en ce temps-là. Voilà. Il est en train de revenir alors. Préparez-nous, préparez vos enfants, préparez vos maris, vos femmes, vos parents, priez pour le salut de, 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 le salut de vos frères et sœurs biologiques, mes amis. Et euh, quand euh, la septième trompette va retentir, eh ben, nous partirons à la rencontre de l'époux. Mm -hmm. a non de Vous Voyez Et euh, alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Mireille oui, on est... Non pas de questions euh, ou quelque chose à proposer à euh, des suggestions mais ce que ce que je veux dire c'est que euh, c'est vraiment important parce que c'est pas du tout une blague le seigneur est très sérieux il a été jusqu'à euh, envoyer son euh, envoyer jésus sur la croix mmh. pour prendre le péché des hommes c'est une affaire sérieuse euh. tellement il fallait qu'il accomplisse sa justice donc euh. Euh, ces paroles qu'on que, qu a partagées, c'est vraiment des par paroles sérieuses. Ça fait au moins deux semaines, je pense que... Je, je crois que c'est le verset de 2 Corinthiens 13, 5 hein, qui mm -hmm. résonne dans mon cœur. Examinez-vous vous-même. On peut le prendre, pour hein. voir, Oui, pour voir si vous êtes toujours dans la foi. Mm -hmm. C'est un passage aussi euh, très parlant. 2 hein, ouais. mm -hmm, mm -hmm. Corinthiens 13, et 5. 13, 5. C'est ça. Examinez-vous -vous, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Donc par rapport à ce qu'on vient de partager, le fait de sortir, le fait de, 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 de se sanctifier, c'est important parce que c'est vraiment, ça, ça peut arriver n'importe quand. Le Seigneur peut, peut revenir n'importe quand. On est, on, est, on est vraiment proche maintenant. Et, comme, euh, comme on partageait dans ces conditions-là, c'est individuel, c'est chacun pour soi. Il ne faut pas regarder ce que l'autre fait à gauche et à droite, ni être distrait. Mm -hmm, c'est très important. Parce que nous sommes dans une, dans une époque où il euh, y a tellement de distractions et euh, tellement d'histoires qui se racontent à gauche, à droite, mm -hmm, sur Internet, mm -hmm. tout ça, là, les gens, au lieu de chercher la face du Seigneur pour savoir. Euh, chercher Dieu pour euh, euh, savoir si tel frère est correct ou pas, on va beaucoup plus taper son nom sur Internet pour avoir, euh, n'est-ce pas, euh, euh, son pédigré, hein, je dirais. Et c'est une erreur monumentale. Et euh, donc il y a tellement de distractions, les gens qui sont mandatés par le diable pour distraire les enfants de Dieu. Les temps sont compliqués, les temps sont durs, mm -hmm. difficiles. Et Paul l'a si bien dit, hein, par l'esprit, bien sûr, qu'à la fin mm -hmm. de temps, il y aura, y, aura y aura des moqueurs. mais... Et euh, marchant sur leur propre euh, mm -hmm, convoitise euh, mm -hmm. pierre là on a parlé également de la deux 3 et euh, ils vont même jusqu'à n'est ce pas remettre en cause donc hein, mm -hmm, le retour mm -hmm, du, du marché mm -hmm, hein, mm -hmm. et euh, tout ça là donc il faut vraiment vraiment se préparer nous sommes au temps du soir au temps du soir mm -hmm. à minuit mm -hmm. hein, le, le, la nuit on voit pas distinctement hein. donc mm -hmm. on voit pas euh, mm -hmm. oui. donc on tâtonne mm -hmm. donc euh, mm -hmm. euh, parce que c'est quelqu'un peut être proche de toi mm -hmm. avec beaucoup beaucoup de saleté mm -hmm. mais tu vois pas forcément parce que c'est les ténèbres mm -hmm. Mm -hmm. voyez avant vraiment que la lumière de dieu arrive sur la personne pour voir une tâche là voilà donc c'est vraiment ce temps là et donc on va continuer demain on va continuer l'enseignement sur n'est ce pas le temps du soir et je crois que dieu va encore nous faire du bien et voilà donc c'est ça le message cette année en tout cas frère le seigneur m'a vraiment mis à cœur de parler que de son retour parler que de lui des noces tout ça là mes amis parce que on y est on y est enfin et parce que quand je vois la rapidité avec laquelle le Seigneur ouvre des portes, notamment mm -hmm. par rapport à la révision de la Bible. Mm -hmm, mm -hmm. Et euh, cette année, comme vous le savez, d'ici euh, le mois de mars, avril, il y aura également 10 000 autres exemplaires de la BJC, et euh, encore approfondis avec euh, une... Euh, et, euh, la nouvelle version euh, aura euh, une concordance. Mm -hmm. hein? Il y aura des tableaux de Père de l'Église, euh, de... Comment dire euh, Des conciles mm -hmm. et beaucoup d'autres choses. Hein, donc, et, euh, et je vois que, quand je vois tout ça, on ne peut que réaliser. Euh, réaliser saisir que saisir vraiment l'ampleur de, de, de la grâce et aussi l'imminence hein, donc du retour du Mashiach. voilà mes amis donc euh, le passage qu'on a pris aujourd'hui en fait ça me parle beaucoup parce que en prière je demande au Seigneur bon, Qu'est-ce que tu attends de l'Église mm -hmm. en ce temps de la fin Qu'est-ce qu'on doit faire exactement Et il m'a conduit dans ce passage-là qu'on a pris de Lot, wow. dans la mesure où il a dit voilà ce que j'attends de vous. Il a dit c'est Lot là, ce sont justement mes enfants qui sont dans ces églises. Okay. Ils sont responsables, ils voient le péché tous les jours, mais ils ne se comprennent pas vraiment, mais ils ne savent pas quoi faire. Mmh. Ils sont bloqués parce qu'ils voient leurs responsabilités, ils sont engagés. Mais il faut qu'ils vous entendent, comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce que vient de la parole de Dieu. Il a dit, c'est à ça que je vous demande de faire. Sortez mes enfants qui sont dans ces assemblées, qui voient le péché tous les jours, mais ils sont bloqués à cause de leurs responsabilités. Ça peut être à cause de pas mal de choses, mmh. mais le, le souci, c'est qu'ils entendent en fait ces voix mmh. qui leur disent « sortez de là mmh. ». J'ai fait waouh Seigneur. Et il a dit, c'est ça le rôle de l'Église, comme Abraham a intercédé. Inter... Quand Abraham il a intercédé, il a demandé si, au final, il a demandé s'il avait dit juste. Et quand on regarde, Dieu a exaucé au-delà. L'autre, mmh. il était lui, sa femme et ses deux filles. Ils étaient, mmh. Ils étaient moins de la moitié même. Mmh. Et Seigneur a... A, sauvé... a sauvé les quatre. Trois. Trois, excusez-moi. <laughs> voilà. Oui, 4. Est... Je veux dire, sa femme est sortie, Exactement. en fait. Donc, Dieu a exaucé au-delà des 10 qui étaient restés dans la prière d'Abraham. Mm -hmm. Donc, pour dire que Dieu pourra faire même au-delà, il faut que l'Église intercède, que l'Église aille justement chercher ces enfants qui sont captifs dans ces assemblées-là et qu'il les fasse sortir. Et c'est Dieu qui pourra faire ça, mais il faut que l'Église voilà, soit dans ce rôle-là, qu'il soit dans l'action, qu'il puisse leur parler pour qu'ils puissent sortir de là. Wow. Ah, ben Donc euh, voilà, c'est... C'est euh... vraiment... Euh, Ce euh, qui est frappant, là, c'est vraiment le temps du soir. Le mmh. temps du soir. Mmh. c'est vraiment la, le, le péché, la, le paroxysme mmh. du mal, mmh. euh, le péché dans son apogée. Mmh. Et, euh, et là, bah, Dieu envoie des messagers qui viennent et qui prêchent un message. Mmh. Et regardez, on nous dit qu'il y avait des gendres mmh. de Lot, oui, oui, oui. des gens qui ont côtoyé Lot, mmh. qui connaissaient Lot. Mmh qui connaissait la moralité de Lot. C'est un homme quand même intègre. Pierre nous dit qu'il était juste et son âme était journalement trans, trans, euh, tourmentée et, euh, à, cause de, à cause de ce qu'il voyait. Et, euh, donc ces gens qui avaient fréquenté Lot et, euh, et qui euh, n'ont pas cru en ce message. Ils ont cru qu'il plaisantait. Vous savez, c'est ça le danger. C'est quand on s'habitue hein, aux, 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 aux envoyés de Dieu. Oh non, mais Malaïka, bon, ce qu'on a vu des années, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Vous voyez le, le danger ces gendres auraient pu être sauvés grâce parce qu'ils ils sont tombés amoureux des filles de l'autre. Non. Non, et, et ils ont préféré rester dans Sodome et Gomorre. Et aujourd'hui, quand on annonce le retour du Seigneur, beaucoup de chrétiens se moquent. Beaucoup de membres de nos familles peut-être vont se moquer, mais attends, mais on le connaît, on l'a vu naître, on l'a vu grandir, mais attends, mais qu'est-ce que nous raconte Jésus-Christ, on ne va pas revenir tout de suite. Parlons de, de l'argent, parlons des belles voitures, parlons de la prospérité financière, parlons de la prospérité, prospérité matérielle, parlons des de belles choses, des belles maisons, tout, tout, tout. De, construisons des grands temples pour le Seigneur, il ne va pas revenir tout de suite. Et c'est la confusion, mes amis, là. Ils se sont moqués de l'autre et voilà, ils sont morts. Ils sont morts. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vous fréquentent aujourd'hui. Peut-être vous qui fréquentez des, des chrétiens authentiques, ça se trouve que vous allez rester. Mm -hmm. Si vous ne faites pas attention. Mm -hmm. Si vous commencez à, 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 à avoir plus euh, euh, votre amitié, plutôt que de vous dire ouais, mais Dieu peut passer par eux aussi pour nous aider. Il faut vraiment chacun, que chacun veille, effectivement. Voilà. Donc que Dieu soit béni, mes amis. Et je crois qu'on va s'organiser avec Malaika, avec Mireille, hein, pour euh, euh, même dans la journée, hein, donc il y a une petite émission sur... Euh, pour, parce que tout ce que tu partages là toi Malika également, je pense que ça va encourager beaucoup de, beaucoup de personnes. et euh, voilà Parce qu'il y a quand même des milliers de personnes qui sont touchées dans le monde entier. Pour votre information, on a eu euh, près de 2 millions et, euh, et 200 et quelques mille euh, euh, personnes qui ont qui ont été sur le site de TV de Vie. Hein Donc euh, Yann m'a montré les statistiques la dernière fois. Et euh, on a eu un samedi près de 45 000 ordinateurs différents de connectés. Hein, donc, dans la journée, bien sûr. pas Dans, dans, dans la journée, dans, 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 dans journée. c'est impressionnant. Donc, euh, et, euh, frères et sœurs, il y a des milliers de gens qui sont touchés par ce, ces médias. Et, euh, et, et, et je crois que, euh, voilà, ces frères et sœurs ont besoin euh, d'être encouragés par vos expériences également. Voilà. Donc, euh, et pourquoi pas avec Aurélie, avec d'autres sœurs qui pourraient éventuellement venir pour partager avec vous, pour encourager aussi les femmes, pour ne pas justement, Mireille et Malaga, pour ne pas que des femmes restent comme la femme de l'autre. Je pense qu'il y a des choses à développer là-dessus. Effectivement. Alléluia. Donc, en tout cas, il y aura une surprise. On va vous l'annoncer tout à l'heure, enfin pour cette émission avec les femmes de Dieu. Voilà, que soit, nous croyons que les femmes aussi ont des choses à partager. Voilà, leur place n'est pas seulement de la cuisine. Il y a aussi les, les hommes aussi ont la place de la cuisine. Hein, attention, et mes amis, euh, moi j'aime bien faire à manger. Donc il n'y a pas que les femmes qui sont appelées à, manger, à faire à manger, il y a aussi les hommes. Mm -hmm. Voilà, ça c'est juste pour. Euh... On est d'accord. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alors ce week-end nous sommes à Lausanne. Donc ce samedi, ce samedi nous sommes à Lausanne et euh, les informations sont sur le site de TV et Radio de Vie donc on sera avec une équipe, on sera au moins cinq euh, personnes hein, de Paris et 7 parce qu'il y en a d'autres qui, qui vont partir, il y a des frères et soeurs de Lyon, euh, j'ai appris cela tout à l'heure qui vont euh, également se retrouver avec nous là-bas à Lausanne, d'autres qui viendront euh, de l'Italie et en tout cas on sent cette mobilisation euh, générale et merci en tout cas à tous les frères et soeurs, à tous les défenseurs de la vérité qui prie pour nous, mm -hmm. qu'ils nous soutiennent avec euh, euh, leurs conseils. Mm -hmm. Nous avons besoin de vos prières, frères et sœurs. Mm -hmm. Nous n'estimons pas avoir tout compris, mais nous voulons simplement servir le Seigneur avec les peu de choses de grâce qu'il nous accorde et que toute la gloire lui revienne. Mm -hmm. On nous dit Yeshua. Okay. Nous sommes zéro. Mm -hmm. Et seul Jésus-Christ est quelqu'un. Mm -hmm. Alléluia. Amen. Alors, euh, nous avons un frère, bien sûr, qui va et, euh, nous partager un peu euh, des choses que le Seigneur lui a mis à, mis à cœur. Donc je veux l'inviter qui vient me rejoindre pendant que euh, l'équipe se prépare à passer à, à faire une pause de 5 minutes. Donc je t'invite, je te laisse la, la place parce que...